Régalez vos yeux et vos papilles en regardant le goût du détail avec Grand Frais. La volaille de Bresse, c'est une passion. Mon arrière-grand-mère, déjà, elle avait de la volaille de Bresse. C'est ancré en moi depuis très longtemps. La volaille de Bresse, c'est déjà un territoire, c'est la zone Bresse. C'est l'alimentation. Elles mangent du maïs, du blé et du lait. Elles adorent ça. C'est un dosage très précis du lait à incorporer dans les céréales pour que ça soit digeste. Elle a une alimentation très précise et un cahier des charges qui est le plus strict, l'appellation d'origine protégée. C'est vraiment un détail très important puisque ça va apporter un côté gustatif intéressant sur la chair de la volaille. C'est une volaille qui est en liberté. Volontairement, on n'apporte pas le taux de protéines qu'a besoin une volaille, ce qui les oblige à aller à l'extérieur et à divaguer toute la journée à rechercher des vers de terre, des sauterelles, tout insecte qui pourrait leur passer sous le bec. Et ben oui, pour manger, il faut marcher. On a beaucoup de retours sur l'exploitation qui nous disent qu'on est sur un produit d'exception. Et ça, c'est toujours très bon à entendre quand on est agriculteur. Vous avez regardé Le Goût du Détail avec Grand Frais, le meilleur marché, en direct avec ses producteurs.